Martin Ongla est un gros voleur, voilà les déclarations du journaliste Choimo, d'où l'annonce sélection de Martin Ongla parmi les joueurs retenus pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire a suscité de nombreuses réactions. Dans un space sur X le mercredi 20 décembre 2023, le journaliste Marc Choimo a soutenu que le joueur a été éliminé par le manager sélectionneur Rigobert Song pour une histoire de vol entre autres. Le sélectionneur, d'après les renseignements que j'ai obtenus, lui a reproché le fait d'avoir participé à la disparition d'objets de valeur que le coach avait laissés dans sa chambre d'hôtel et à laquelle le joueur avait accès. Cet élément a été bien gardé lors de cette étape de mars 2023 qui est la dernière étape de Martin Ongla avec l'équipe nationale du Cameroun. On ne comprend pas toujours ces accusations sur un joueur de cet acabit. Comment un joueur qui touche des millions vient à se souiller pour des objets ou bien ce sont des objets qui ont hautement de valeur, c'est la question dont on se pose. Dans cette affaire, Martin Ongla, tellement contrarié, décide de porter plainte contre le journaliste et déclare « Choimo, je ne connais pas ce monsieur. Hier soir j'ai été informé de cette affaire et je prends cela très au sérieux. Je pense que dès la semaine prochaine, il sera contacté par mes avocats et devra justifier ses propos devant les autorités compétentes de la justice. C'est une histoire inventée. Comment un joueur peut-il avoir les clés de son sélectionneur ? A-t-il déclaré. Il faut souligner qu'en plus de cette affaire de vol, il est aussi reproché à Martin Ongla, selon Marc Choimo, d'avoir refusé une convocation en juin 2023 lors du match amical contre le Mexique. Alors que la fédération avait tout pris en charge, le joueur n'a pas honoré sa sélection.